Ouais, rien. Bah gros, on est en retard de fou. Vas-y, Jimusson. Jimusson. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous suivez le match avec nous. Bienvenue sur ce live. On retrouve du coup ce match qui opposera le LSVB à Feur dans ce match de poule basse, match hyper important. Je ne serai pas tout seul pour vivre ce match, pour commenter ce match, pour transpirer ce match avec vous. Je serai avec le seul, l'unique, le vrai, Lenny Seydougaï. Bonsoir Lenny. Eh bien bonsoir mon cher Maxime. On se retrouve à vos séjours pour ce match, comme tu l'as dit, ultra important, qui permettrait au LSVB d'être à 3-0 dans cette poule C. Et un client ce soir, Feur. Et on espère une victoire sablaise, mon petit Maxime. Ah bah, j'espère surtout que ça, en effet. Mais il y a quand même du client en face, hein. Feur du coup qui est 4ème et nous on est 6ème. Et deux points d'entrée pour Feur grâce. Oh là, alors numéro 75. Alors là, c'est pas drôle machin, mais il est baisé le bras. Équateur et Wilson qui est tout seul. À 3 points. Il n'hésite pas. Filoche. Les nouveaux filets inaugurés. Bon, il y a Maxime qui est en train de régler la caméra, donc si vous avez le mal de mer, bienvenue au Sable d'Olonne. Allez, Eddy Roland, du côté de Feur, qui a décidé d'être à 100%. Premier tir au post-up, deuxième à 3 points. Allez, côté Sablé, on donne la balle à papa dans la raquette, Mipoka, qui va finir tranquillou, comme à l'école. 5 partout, après 1 minute 30 de jeu. Va falloir durcir la défense. Est-ce qu'on nous entend bien du coup sur le live? Dites-nous en commentaire, n'hésitez pas à partager, on fait un maximum. Est-ce que du coup tu peux nous faire le 5 majeur de Feur ou des Sables, Lenny, comme tu veux? Alors 5 majeur côté Feur, le numéro 7, Mamadou Faye, numéro 1, Junior 0, numéro 75, Eddy Roland, Boyu, JJ, numéro 2, Anthony Spinali et le numéro 5, Yanis Arad. Côté Sablé, je vais faire le 5 en meneur, Louis Prolac, numéro 18, Thomas Klein. Ensuite avec Jean-Michel Lupica, numéro 31, Quatarius Wilson, numéro 6. Et pour finir, Rob Okabuba, numéro 25, qui vient de prendre un petit tir sur les chicots par le numéro 7, Mamadou Faye. Et on a eu un bon jour du seul aussi, du vrai, de l'unique, Grégory Lessor, le capitaine malheureusement blessé. Il dit la bise avec notre préféré. Gros bisous à toi Greg, j'espère que la réduc se passe bien, que le rhum ne manque pas trop. Je veux remercier Greg parce que grâce à lui, il y a une semaine, jour pour jour, j'étais en train de voir Panathinaikos Olympiakos en Grèce. Ah oui. Pour aller voir son frère, donc merci sympa, à toi Greg. Sympa, ben, je l'avais dit la dernière fois, moi j'y ai pas été, donc je suis un peu dégoûté. Allez, c'est reparti côté Sablé avec Wilson dans la raquette qui va jouer JJ, le petit pull-up. Quatarius et JJ, c'est je mets le bras, vas-y tire, ça rentre, vas-y. Comme dirait un grand rotateur, hein, ce soir les sœurs c'est des bassines. Hein. On sait qui a dit ça, hein. On sait que c'est toi les deux. Et la faute sifflée à Quatarius Wilson sur le poste bas. Ballon rendu à Feur, 14 secondes. JJ, Arras, qui drive et qui se fait contrer par Thomas Klein. Thomas Klein, Ukaouba. Ukaouba, quart de terrain isolé qui va tourner. Oh là là, c'est bien joué! Il a fini fort, hein? Ouais. Ah, Yaras avec la balle. Atfai, ils vont chercher encore une fois. Baudu, JJ. Oh ouais. Qui a oublié quelque chose. Et Louis Prolac qui en profite. Ça traverse vite. Il trouve Wilson. La belle passe. Il va tout écraser. La passe de Filou de Louis Prolac. Très bien trouvé pour Q. Arat avec la balle, très bien joué. Kadju, oh super passe. On a oublié les rotations côté Sablé. Super passe Ismaël Kadju. Pour les deux points faciles.
du numéro 2. Et Prolac, Pinami. Ouais, il avait fait no look pass. Thomas Klein avait trop peur sur la tartine. Mamadou Faye. Ah, ça court, hein, à faire. Hein. Ouais. Ils ont des jambes. Ça se voit qu'ils sortent pas du bus. Allez. 12 à 11 pour Fer. Après 4 minutes de jeu, à beau séjour. Kaouba, Wilson. Le petit fadeaway. Et c'est dedans. Il est fort. Quaterius Wilson. En ce moment, il est en forme. Il n'y a pas de souci. Il met ses points. Il prend ses rebonds. Allez, 13 à 12 pour l'instant pour le LSGB. Match plutôt très équilibré pour l'instant. Smelkadio qui délivre des nulles ou passe encore. Hein. Smelkadio qui est en mode no Magic Johnson ce soir. Et la faute sifflée à Thomas Klein sur le tir du numéro 2, Anthony Spinali, qui va avoir deux lancers francs. Je pense que Cotterson a été prévenu par la monsieur l'arbitre de ne pas flopper. Spinali, premier lancer, ça fait filoche. On n'a pas de bien. Fait bien de me le dire. Ah, le joueur Sablé qui est rentré avant le tir de Spinali qui va donc avoir une troisième chance. Celui-ci c'est dedans, 14-13 pour Fer, 5 minutes 40 dans ce premier quart. Allez, Prolac avec la balle. Oh, c'était pas un cadeau cette passe. Bonne défense côté Fer. Oh, le petit flotteur de Harat, très bien fini. Un match qui part pas sur des bases défensives, Max. Hein. 16 points encaissés en 5 minutes. C'est pas ce qu'on cherche, on veut du spectacle, ouais. On veut du beau jeu. Oh, hey, Wilson. Wilson qui a hésité à le prendre. Ah, bah il est à 100% depuis le début du match, il va pas se priver. Et là, c'est raté, il demande la faute. Ah, il y a belle défense quand même. Hein. Allez, Faye avec la balle. Il prend le tir à 3 points, c'est raté. Rebond Wilson. Kaouba qui drive et le petit Jelly avec un bon. C'est bien joué. Mais un bon début de match pour Abou Kaouba. Il en a besoin, hein. Il n'était pas forcément en confiance ce dernier match. Un peu dans le dur. Il prend la confiance lui-même. C'est plutôt bien joué. Allez, changement côté Sablé. Sortie de Jean-Michel Mipoca, Thomas Klein, remplacé par François Matip et Thibaut Alexis. Alexis Thibault. Côté Fleur. C'est le numéro 75, JJ, qui sort, remplacé par le numéro 25, Henri Pereira. On passe le bonjour du coup à Cyril qui nous regarde, notre ami Chalandais, qui est constamment avec nous. J'espère que tu vas bien, Cyril. C'est vrai qu'il regarde tous les matchs, Cyril. Super sympa, Cyril. Ouais. Et là, c'est franc bonus converti pour Rob. 16 partout. Allez, la petite zone presse, sortie de lancer franc. Bien attaqué par l'équipe de Fer. Une question pour toi, Lenny. Comment appelle-t-on les habitants de Fer? Waouh! Je sais pas non plus. Les Fer Saints. Merci aux supporters de Fer si vous êtes dans live de nous dire comment vous appelez. Parce que... C'est vrai que je sais pas non plus. J'ai pas regardé. Allez, Prolac, la petite passe dans le dos. Wilson, tête de raquette, et c'est dedans. C'est François Matip, hein, qui est mis devant sur la zone presse avec ses grands bras. Il fait moitié peur.
Ismaël Kadio qui se pose pas de questions. Oh, encore une fois dans les chicots. Le Quatarius Wilson qui pourtant qui était bien revenu en défense. Allez, on cherche Wilson au poste bas. Ah bah. L'homme chaud. Et Arras qui traverse vite. Faye qui va jouer Prolak au poste up. Et à faute, siffle à Louis Prolak. Deuxième faute personnelle. C'est ce que j'allais dire, malheureusement. Deuxième faute pour lui qui va devoir être benché. Sorti pour le LGBT numéro 18, Louis Prolak. Entrée numéro 5, Fred Loubaki. On les appelle les Forésiens. Merci à Fifi Filou. Allez, bon séjour. Tatis, Taparidis, Richard Valet. Merci à tous d'avoir été là avec nous. J'espère que vous passez un bon moment pour l'instant. Et bon match à vous. Arras avec la balle, écran de Pereira. Il est moitié grand aussi, hein, Pereira, hein, ouais, il est costaud, ouais. Il fait de la place dans la raquette. Oh là, passe un peu. Passe un peu raté, malheureusement, du coup, du numéro 2, Spinali. Allez, changement côté peur, sortie de Yanis Arras. Et rentrant en jeu du numéro 20, Naïm Oustani. Loubaki qui vient de rentrer, qui annonce un play. Kaouba, Loubaki sur la coupe, c'est bien joué. C'est très bien défendu aussi. Ah. C'est très très bien défendu de leur, du numéro 8, Arnichard, qui l'a tendu bien droit, sans faire faute. Oui, très belle passe. Bon, 0. Oh, la passe pour Pereira. Ah, les mains un peu trop baladeuses. Les mains un peu trop baladeuses du coup de François Matip qui attrape la faute et avec les bras, qui a également attrapé les bras de Pereira. Et les Sablés qui sont dans la pénalité à 2 minutes 45 de la fin de ce premier quart. Allez les pirates, tu bruges, je vous entends, je vous entends, il ne le fait pas celui-là. Pereira qui lâche son premier lancement. Mais qui convertit le deuxième. Changement côté LSVB. Entre en jeu de Christopher Manarlac, sortie de Quatarius. Également une petite zone presse à mon avis à venir côté forésien. Très fort. Très fort, non, ça. Non, c'est fer. C'est pas fort, c'est fer. Ouais. Oh. Elle est facile. Elle est nulle et facile. Ouais. Allez Loubaki. Allez, on va l'autre chose. Ouais. Hein. Allez, on va aller du basket. Faute là. En fait, tu cherches trop la faute. Allez, Oustani, ça part vite. Bien joué, très bien joué. Damien Archinard qui prend son premier tir, qui le met. Et qui blaire en plus. Ouais. Il parle au banc. Match offensif, hein, des deux côtés. Thibaut Alexis. Pas trop de mouvement pour l'instant côté Sablé. À 3 points. La réponse, dommage. Et l'aspirateur, Manerlec. Et la faute sifflée au numéro 8 par Chinard. Ballon Sablé. C'est Rabit qui va parler à Fred Loubaki. Rabit qui va aussi le prévenir de flopping. Donc ça va falloir faire attention, les gars.
Allez, Loubaki. Kaouba. Thibaut Alexis à 3 points. Tire bien contesté. Bien défendu. Et pour rentrer du numéro 20, Oustani, je sais pas si tu l'avais dit. Ouais, si. Tu l'as dit? Ok, je débarque. Et Fer qui est plutôt en place là défensivement et qui nous pose des problèmes et qui en attaque. Ça tombe dedans pour Junior 0 à 3 points, plus 10 pour Fer. Ils ont pas raté grand chose hein, pour l'instant. Hein. C'est Abdali qui va. Qui a bien coupé la passe mais qui a aussi coupé l'épaule jusqu'à un moment dans l'axe. Mais qui fait pour la faute. Temps mort. Et temps mort demandé par Denis Mété. 18-28 pour Fer, 1 minute 22. Dans le premier quart, on se retrouve après la pause. Allez, on se retrouve à beau séjour pour cette dernière minute du premier quart-temps. Les Sables à moins 10. Fer qui est très en place défensivement et qui a une grosse adresse. Et Cadio qui va finir tout seul en contre-attaque après cet énième stop de Fer. Thibaut Alexis. François Matip, on est un peu à l'arrêt côté Sablé en attaque et la perte de balle. Et ça traverse vite côté Fer, ça pose pas de questions Oustani. Qui rate son tir en course. Mais Junior Zebo qui est là pour finir la contre-attaque. Loubaki, c'est la faute sifflée à Oustani qui va donner deux lancers francs. Après de Loubaki. De lancer franc pour le numéro 5. Fred Loubaki. Et Fred qui convertit son premier lancer. Et il convertit le deuxième. Non ? Ah oui, je suis bon. Attends. Il rate le deuxième, pardon. 19-32 pour Fer. Dernière possession avec une seconde d'écart sur le chrono des 24 pour l'équipe de Fer. Oustani avec la balle, le petit fadeaway sur une jambe. C'est raté. Et on en restera là pour ce premier quart, Max. 19-32 pour Fer. On se retrouve dans une minute. 5 minutes pour les tirs sablés.
confiance est forte. Eh bien, on se retrouve à Beau Séjour pour ce deuxième quart. Parce qu'on avait oublié de mettre le son. On parle dans le vide depuis environ 2 minutes, mais ça se passe bien. C'est insupportable. Hein. À chaque fois, on le fait au moins 2 fois par match. Hein. Donc ça peut réarriver. Hein. On est désolé. Ah. Pas des champions du monde. Ça, c'est sûr. Donc pendant ce temps, Fer a toujours eu cette adresse insolente. Et les Sables ont déjà mis 3 fautes en 2 minutes. Et faute offensive provoquée par Noah Goudoussina qui fait une belle entrée, le genou. Deux lancers francs grattés, convertis. Et le petit passage en force là. Elle est dure la faute. Hein. Elle est dure parce qu'il est en mouvement quand même. Hein, donc. Sortie numéro 8, entrée numéro 7. Allez, Wilson. Goudoussina qui provoque encore une faute. Et oui, heureusement qu'il est rentré. Hein. Très très bonne rentrée. Hein. Et en 2 minutes, il y a 3 fautes partout, Lenny. Hein. Là, il n'y a pas de cadeau. Hein. Allez, Bado, le petit flotteur. Oh, c'est dommage. Il n'y a pas de réussite. Allez, Arat face à Goudoussina. Qui met une très bonne pression sur le meneur adverse et qui prend la faute, les mains un peu trop baladeuses. Il cherche un peu trop la balle. Aïe, paille à la touche. Cadio, Arras. Ouais, Noah Goudoussina, il est dans le slip d'Aran. Faille à 3 points, il en a mis un tout à l'heure. Oh, et rebond de Cadio. Allez, rebond un peu long, c'est toujours un peu traître. Ça fait toujours mal en fait à une défense. Après cette battue, c'est toujours pas un plaisir. Ah, il reste 3 secondes sur la possession. Oh, bien joué. Faille au buzzer des 24. C'est bien joué côté Fer. Alors après, je pense que là, il y a quand même un geste un peu anti-sportif parce que du coup, Arat, il a des yeux dans le dos. J'ai vu qu'il a 2 paires d'yeux. Il a 4 yeux. Donc forcément, ça aide hein, pour les passes. Allez, Thibaut Alexis, Goudoussina, qui trouve Mipoca à l'opposé. Oh, les mains. Mipoca le fade away. Oh là. Attention, c'est pas quoi faire, donne à papa, il va jouer. Et la faute sifflée au numéro 0, Joris Bado qui va donner 2 lancers francs. Les Sables sont déjà dans la pénalité à 6 minutes 38 de la fin de ce deuxième quart. Triple changement côté Sablais. Entrée de Fred Loubaki, retour de Fred Loubaki, de François Matip et de Rambou Kaouba, sortie de Noah Goudoussina, Thibaut Alexis et Joris Bado. Pour l'instant, Fer qui arrive à maintenir son avance, et les Sables qui n'arrivent pas à recoller le score. Lancer manqué pour le Junior 0 et le deuxième manqué également. Et Fred Loubaki qui met un peu de rythme dans ce match. Mipoca
qui trouve Okaouba. Il a un quart de terrain isolé comme tout à l'heure. Et il va y aller parce qu'il est costaud, Okaouba. Temps mort. Côté peur. 27-38, moins 11 pour le LSVB. On se retrouve dans une minute. Allez, on se retrouve à vos séjours pour la fin de ce deuxième quart-temps. 27-38 pour Feur, 6 minutes 19 à jouer. Et on a mis le son. Si les Sablais veulent espérer prendre ce match, il va falloir recoller un peu avant la mi-temps. Essayer de revenir au moins à moins 5. Oh là là, c'est dommage, c'est pas récompensé. Ah ouais. Oh là là, à la séquence du dimanche matin, Max. Les Sablais qui sont battus pour avoir ce ballon. Et Mipoka. Oh, merci papa. 3 points contre-attaque. Et Marché, c'est fait un cagnon. Et bien, il a réveillé la salle celui-là, Max, 3 points. Il faut quand même avoir un sacré culot pour s'arrêter en contre-attaque et tirer à 3 points. Et le mettre ? Et le mettre, ouais, surtout le mettre. Ouais, je pense que Jean-Michel, je pense ouais, qu'il bon. Il l'a fait avant. Hein. C'est pas son coup d'essai. Voilà. Et la faute sifflée au numéro 7, Faye. Quatrième faute d'équipe. Deuxième faute personnelle du numéro 7, Faye. Ballon Sablé. Alors j'ai peur de dire une connerie, une bêtise Lenny, ouais. Mais il me semble que Ismaël Kadio, il y a 2 ans, il jouait à Tours et il s'est pété les tendons d'Achille sur notre terrain malheureusement. Il jouait à Pontchéry alors. Ah peut-être ouais. Ouais, c'est ça. Et Wilson, tu vas tout arrêter. Oh là là, il a mis un dunk à la Jordan. Une main. Oh là là. Jordan, on va te calmer quand même. Jordan, c'est un peu trop là. Oh là là, et la match. Oh waouh 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 waouh. Ah, on sent que c'est motivé, il y a de l'engouement, ouais. Ça a envie de jouer. On a pris 10 degrés en 30 secondes à votre séjour. Oh, est-ce qu'il va être dans la salle ? Il va mettre la clim. Oh, oh bah oui. Oh, Spinali. Spinali. Il a dit, les gars, vous allez vous calmer. Je pense qu'il travaille dans les climatisations. Parce qu'on a perdu 10 degrés. Oh, voilà. Oh, le give and go. Passe. Et Okaouba. Oh, oh, oh. Ça, c'est comme à l'école, Lenny, comme à l'école. Il est reparti, Okaouba. Au charbon. Allez, 34-41 pour Feur toujours. JJ avec la balle au poste bas, il a un mismatch. Et la faute de Fred Loubaki. Même si c'est une bonne faute parce que les petits, c'est pas une bonne faute parce qu'il y a 5 fautes d'équipe. Et ça va donner 2 lancers francs au numéro 5. 75 JJ. JJ, si je dis pas de bêtises, qui est passé par Chaland, pareil. Un joueur qui joue avec un bandeau avant, qui ne l'a plus. JS Moss fait comme. Enfin comme Jojo tu penses ? Comme JJ. Oh le tonard de Wilson Max. Oh là là.
m'aurais dit toi quand t'étais jeune. Mais très jeune. Sur les paniers poussins, quand j'avais 17 ans peut-être, mais sinon c'est tout. À l'initiation basket sur le remblai, sur les paniers à 2,80. Et DJ qui convertit ses deux lancers francs. Non, il a mis les couleurs. Ah, il en a mis qu'un. Ça va toi? Ouais, ça va moi. Et Matip à 3 points. En rythme. C'est raté, ça part vite. Côté Feur avec Cadio. Ça court, hein. Côté Feur, il n'y a pas de soucis. Hein. JJ au poste bas contre Wilson. Là, il n'y a pas de mismatch par contre. Mais il arrive à l'enfoncer. Oh. Offensive. Et la faute offensive. Le coude. Le coude qui a un peu trop pris le joueur adverse. Alors je sais pas si on entend à la vidéo l'ambiance qui est dans la salle, mais moi qui ai fait le Pana Olympiakos il y a une semaine, je sais pas ce qui est le mieux. Le séjour c'est tout aussi bien. Et côté Sablé, retour de Louis Prolac, malgré ses deux fautes personnelles, Denis Mettet qui fait le choix de le remettre sur le terrain. Mipoca, oh là là, ça aussi c'est fort, c'est raté. Mais Wilson, il est là, l'aspirateur. Oh là 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 là. Arras avec la balle, côté Peur qui organise. Les Sables qui viennent à moins 6, Lenny. Dans un temps fort pour les Sablés. Mais bon, Feur, on sait qu'il veut mettre la clim. Waouh, voilà, Pereira comme à l'école, ça aussi. Allez, Prolac avec la balle. Il trouve Mipoca. Oh, c'est dommage. Ballon touché. Il sera rendu au Sablé. Prolac, écran de Wilson. C'est très bien défendu ça. Très fair play. Ouais. Et ça va donner deux lancers francs à Mipoca. Lenny qui a été un peu en retard, qui s'est fait mal. Deux lancers francs pour le numéro 3. Qui a été checké Mipoca, j'adore cet esprit. Ouais. Les Feuraisiens sont très fair play. Mais ça se dit faux, Raisin. Punaise. Oh, j'ai eu peur que tu te mettes ici. T'as vu, je me suis amélioré. On a la télé quand même. On a la télé quand même. Et premier lancer franc converti par Jean-Mi. Par Jean-Mi. C'est ton gars. Et 2 sur 2. Et 2 sur 2. Pour Jean-Michel Mipoca qui intercepte. Oh, il a goûté. Mais on va arrêter de l'appeler papy, hein. C'est papa maintenant. C'est papa, c'est beau papa, c'est tout le monde. Là, je pense que l'arbitre aurait dû laisser jouer. Avantage, Sablé. Avantage, hein. Ah non, c'est avantage là-dessus. Et changement, côté Feur, retour du numéro 20, Oustani, sortie numéro 8, Archina. Et deux lancers francs à nouveau pour Jean-Michel Mipoca. Qui rate le premier. Oh, et ça fait qu'ils sont en place défensivement, Max. C'est bien joué, c'est bien joué. C'est parfait. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Et Max, il y a des supporters de Feur dans la salle. Et ça chambre un peu dans les gradins. Après, avec une action comme ça, ils peuvent. Oh ouais, c'était les Spurs. Kaouba qui est en duel au post-up et qui va y aller. Ah, c'est un peu forcé. Qui est ballon rendu au Sablé. Smaïl Kadio qui était parti pour les JO.
grand coup de pied dans le ballon. Alors je tiens à m'excuser parce que mon père regarde le match. Il dit que c'est lui. C'est mon propre père. Papa, je m'excuse. Oui, papa, tu es mon papa. Allez, ballon pour les Sablés avec Prolak qui trouve Wilson. Mipoca à 3 points, il n'hésite pas. Oh, mais oui, mais n'hésite jamais. Mais attends, mais c'est un robot qui est là. C'est pas Mipoca, c'est un robot. Oui, il a failli intercepter en plus. Le bras est réglé là. Hein. Allez, Arras avec la balle. Il a un mismatch face à Matip, il va prendre le tir à 3 points. Et la vilaine saucisse. Là qu'on donne à Okaouba, bah là il a un sacré mismatch. Wilson, il le prend, il en a déjà mis un tout à l'heure, c'est raté. Allez, encore 2 minutes dans ce carton. Plus 5 pour les Forésiens. Bah, une grosse intensité hein Lenny. Ça score beaucoup et ça défend quand même pour autant. C'est relativement intéressant. Et Oustani avec la balle qui cherche Kadio qui a un mismatch sur le Prolak. Qui fait l'effort de passer devant. Ferra, mi-distance, c'est raté. Bonne défense à Blaise. Et on est parti avec Prolak tout de suite. Okaouba qui a hésité. Mipoca, cœur de raquette, le fadeaway. C'est pas possible. Mais arrêtez-le. Non mais c'est pas possible. Comment? Et pourquoi? Mais faut lui couper les jambes, ce mec. Oh là. Ah mais il est incroyable. Il a tout fait. Il fait tout. Il est au fourreau, moulin. Allez, 44-47 pour Feur, moins 3 pour le LSVB. On se retrouve dans une minute. Alors Lenny parle parce qu'il est en train de manger, c'est super professionnel. Alors on se retrouve du coup pour cette dernière minute de cette première mi-temps. Après un très très gros carton des Sablés et surtout Jean-Michel Mipoca. À qui on attend les stats avec impatience. Oh bien joué. Junior 0, super bien joué. Ismaël Kadio. Oh et eh bien, on y est maintenant, Max, en défense. Et pour l'instant, on en prend entre guillemets que 15 dans ce carton. On a pris 33 du coup au premier. 32, pardon. Et faute sifflée. Au numéro 25. Au numéro 20. Ce qui va donner 2 lancers francs. À François Matip et Oustani qui n'est pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il vient de prendre sa 3e faute personnelle, le numéro 20. Qui va être remplacé par Faye.
britannique a mis un grand coup de pied dans la balustrade derrière. Pendant que François Matip venait de mettre son premier lancer franc. Mais je crois que Stani vient de se faire des amis au LSVB. Il pourra revenir en week-end. Hébergé chez l'habitant. Et Mipoca qui rate ce lancer franc bonus. Mipoca, ça c'est pas compliqué. S'il n'est pas contesté, s'il n'a pas un viseur sur lui. Il faudrait qu'au lancer franc, il y ait quelqu'un qui vienne mettre, mettre le bras sur ses yeux. Heureusement qu'il y a celle-là. Heureusement qu'on l'a, celle-là. Et Matip qui convertit son deuxième, moins 1 pour le LSVB Max. 43 secondes à jouer, le LSVB qui a l'occasion, s'il fait un stop, de passer devant. Aïe, Arras avec la balle. Faille. On trouve Cadio au poste bas. Faille à 0 degré, c'est raté. Il en reste qu'une seule, Lenny, il en reste qu'une. Celle-ci, si elle tombe dedans, ça ferait du bien. Hein. Et Loubaki avec la balle qui va attendre la dernière seconde pour déclencher un drive et prendre le dernier tir, le step back. Et c'est le grand Max ! Oh là là ! C'était écrit. Et Loubaki qui permet avec ce tir contesté à 3 points de passer à plus 2. Quel deuxième quart des Sablés, Max, 49-47. On se retrouve dans 15 minutes, le temps de boire une petite bière, manger un petit sandwich. A tout à l'heure tout le monde.
Alors on se retrouve à vos séjours pour cette deuxième mi-temps, mon cher Max. Après un très gros quart des Sablés, on repart 50-47 pour les Sablés. Comme vous l'avez vu, il y a environ 30 secondes, il y a un lancer franc qui a été tiré avant de commencer le troisième quart-temps parce qu'il y a une faute technique qui a été attribuée au numéro 20, Ouslani, et qui a donc donné un lancer franc à Louis Prolac avant de commencer ce troisième quart qui a été converti. On l'avait dit, 54-47. Et sur cette première action, faute sur Jean-Michel Mipoca, donc lancer franc converti, 51-47. Et deuxième qui roule sur l'arceau. On est reparti côté Feur avec Faye. Petit point stat, toujours meilleur scoreur. Maintenant ils sont devenus trois meilleurs scoreurs. Les trois à 7 points. Il y aura du coup Préra, Faye, Spinali côté Feur. Allez. Rebond défensif. Oh là là, oh non. Et après donc côté Sablé, meilleur scoreur sans aucune surprise, Jean-Michel Mipoca, qui en a mis 15 dans le deuxième quart-temps, qui a fini le premier à 2 points et le dernier, le deuxième, à 17 points. Et Spinali vient d'envoyer une saucisse mais il n'hésite pas. En shootant ça shoot hein. Ouais. Pose pas de question. Il est là pour ça. Allez, Prolac qui organise côté Sablé. Deuxième meilleur scoreur, pardon, côté Sablé. Wilson avec 15 points. Et la bonne prise à 2. Kaouba qui trouve Wilson. Oh. Ah, la mauvaise passe. Et ballon sera rendu à l'équipe de Feur. Début compliqué, hein, côté Sablé. Allez, Arras, côté Feur qui organise l'attaque. Il est tout seul, tranquillou milou. Oh ah ouais, mais trop tout seul. Il en a un peu trop mis malheureusement. Wilson. Oh, rien du tout. La faute. Très bien joué, très bien défendu. Et Mipoca, le ballon qui lui échappe. Spinali qui se bat bien. Attrapé par Jean-Michel Mipoca. Il saute hein, quand même. Hein. Waouh, il a du juice. C'est un concours là ce soir pour l'instant. Oh bien, bien joué. Et Rob qui va se mettre un peu en confiance. Ça va lui faire du bien celui-ci. Hein. Il a retrouvé la confiance, ça fait plaisir. Lui qui a fini son premier quart-temps à 9 points. Sa première mi-temps à 9 points et qui vient de marquer son 11e point avec ce pull-up. Et la bonne défense. Ah oh, c'est dommage. Ballon pour l'équipe de Feur. Faye à 3 points, il est tout seul. Et c'est raté. Le ballon a rendu au LSVB. Plus 6 pour le LSVB. C'est l'occasion de faire un coup là, Max. Et d'essayer de passer, de mettre un petit écart. Prolac à 3 points. Très bien joué, hein. Très belle passe Ismaël Cadio pour JJ. Allez, moins 4 pour Feur. Toujours dans le match, hein. Il lâche rien. On rappelle l'importance de ce match. Si les
Sablé le prennent. Ils passent troisième. Le match est capital pour les deux équipes. Hein. Allez, Cadio avec la balle. Vinali, Arras. Écran de JJ. On trouve JJ. Oh là, et JJ il a des mains mon pauvre. Bien joueur. Hein. Troisième faute personnelle de Thomas Klein. Sur JJ qui va avoir deux lancers francs. Premier lancé franc converti pour JJ. Et deuxième qui a raté, qui roule sur la planche. Allez, Prolak qui trouve Wilson, tête de raquette. Et Matip, t'es bien joué! Et la balle qui vit, ça fait plaisir. Ça joue pas que pour soi, c'est une belle action. Allez, Sablé en défense. Ah, Spinali, il va chercher JJ au poste, faille. Ça, Thomas Klein, c'est bien cadré. Ça attrape, Spinali, c'est parfait ce qui se passe. Wow, c'est parfait. Il est tout seul. C'est parfait. Oh, 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 c'est parfait. Grosse action collective de la part de Feur. Prolak, Klein, Prolak à nouveau, Klein qui drive, le petit Eurostep, oh, yeah. Ouais, ouais. Il y a une petite faute quand même, les petites limines, ah, et 24 secondes, bonne défense de l'équipe de Feur. Il est stressé. Hein? Il est stressé. On est plus content. On va le voir. Ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Tu veux être mon copain? Allez, Cadio. Oh oui, oui! Le 48 sur la ligne. Loubaki. Ouais, bien joué ça, Fred. Les failles avec la balle. Cherche Spinali. Fred qui cherche trop la balle. Avec la faute. Denis qui est en colère contre Fred Loubaki. Faute un peu inutile, j'imagine. Qui va donner 3 lancers francs à Spinali. Changement côté Sablé. Entrée en jeu de Thibaut Alexis, sortie de Thomas Klein. 3 lancers francs pour Spinali. Premier qui a raté. Et Max, il y a aussi un truc côté Sablé qu'il faut notifier, c'est que tous les joueurs sont en tenue ce soir. Et depuis le début de saison, c'est plutôt rare. On a eu beaucoup de blessés.
Et là, l'infirmerie est de retour. Tout le monde est apte à jouer. On n'a pas joué pour autant, mais... Il fait 12 joueurs professionnels sur le banc. Aïe. Quaterus Wilson remplacé par Christopher Mannerlein. Plus 4 pour le LSVB. 4 minutes 40 à jouer dans le troisième quart. Allez, Arras avec la balle. Didier, qui est bien défendu par Mannerlax. Et ballon rendu au LSVB. Et il est là, le numéro 13, il est là. Double changement. Retour du numéro 3, Noah Goudoussina. Sortie de Fred Loubaki. Et retour du numéro 25, Frera, sortie numéro 75, Didier. Ouais, Goudoussina l'amène. Prolac, Goudoussina, écran de Mannerlein. Prolac qui drive le petit. Je sais pas ce qu'il siffle, j'ai pas vu la photo. Troisième faute personnelle. Ah non. Deuxième faute personnelle du numéro 13, Christopher Mannerlein, sur le rebond. Soit qui demande le retour en zone. Allez, allez, c'est bien défendu. Allez, toujours plus 4 pour le LSVB, hein, l'écart qui ne se creuse pas. Dans aucun sens. Ça joue très propre des deux côtés du terrain pour l'instant. Et le Prolac qui le veut celui-ci. Hein. Oh, bah, Chip qui est parti, hein, qui est monté. Allez, 10 secondes à jouer avant la fin de la possession. L'écran de Goudoussina qui veut chercher Matip, pas 3 points tout seul. Demandé par le coach de Feur, 62-55 pour le LSVB, on se retrouve dans une minute. Allez, on se retrouve, sortie de temps mort, 62-55 pour le LSVB plus 7. First qui lâche pas, le LSVB qui a du mal à créer ce petit écart là. Allez, Goudoussina qui met du rythme. Oh là, Hippoka il est tout seul et ça il les aime dans l'axe.
faut faire des stops les gars. Arras. Cadio. Arras encore. Ça percute fort, très bien attaqué, faille. Marché, non. Et on compte de Valerlax. Le deuxième rideau qui était présent. On a passé Jean-Mi. Il y a Grigui derrière. Et 4 secondes sur la possession. Changement côté Feur, sortie de Mohamed Faye, retour du numéro 8, Archidar. Allez, 4 secondes à défendre les gars et un stop. Zéro qui se retrouve tout seul. Oh. La deuxième et le panier qui va être accordé pour Junior Zéro. En plus de la faute. Il va avoir un lancer franc pour revenir à la barre des moins 5, des moins 4 même. Retour sur le parquet de Oustani et qui remplace le meneur. Et Nisarat. Chambre un peu le public hein. Ouais. Ouais, comme je t'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il va pouvoir venir en Airbnb au sein de Londres. Gratuitement. Et c'est raté, mais Préra qui a été prendre un rebond à 3m045 000 mètres. Oustani, 5 secondes sur la possession. Zéro qui drive. Archinard au buzzer. C'est raté. Et le rebond pour Goudoucina. Il est dans tous les bons coups. Très bon match hein, pour l'instant de Lucina. Hein. Très très propre, très peu d'erreurs. Allez, Prolac, Mipoca, Lucina, il est tout seul. Ça serait une belle récompense. Oh, oh. Ouais. Faute de quart. Bon, les portes sont ouvertes. On va essayer de fermer les portes. Il y a un peu de. Il y a les grosses marées au Sabdon en ce moment. Il y a un peu de vent. C'est pour ça. Ouais. Dommage parce qu'il le méritait ce petit tir. Ah mais c'est un très bon tir. Allez, ballon pour l'équipe de Feur avec Oustani justement. Qui se fait huer par le public. Cadio, 2 mètres derrière la ligne. Poste pas de question. Et temps mort, demandé. Feur qui revient à 3 points du SVB. Après cet oubli défensif malheureusement qui permet à Feur de revenir à 3 points justement. On se retrouve juste après. Allez, on se retrouve pour cette fin de troisième quart. Plus 3 pour le LSVB, 1 minute 20 à jouer. Thibaut Alexis à 3 points. Ouais. Et bon rebond de Noah Goudoucina qui attrape la faute. Et ah, j'ai vu qu'il s'était fait mal à la cheville. Très bonne entrée du petit jeune. C'est plus une entrée là. Ouais. C'est bon match. Hein. Ouais, bon match. Thank you.
Premier lancer franc qui est raté pour Noah Goudoussina. Et deuxième qui est converti. Noah qui va sortir, qui laisse sa place à Fred Loubaki. Cadio avec la balle, c'est bien attaqué, le 2 contre 1. La zone presse, elle a fait une demi-seconde. Hein. Archinard. L'attaque, c'était parfait. Cadio qui percute sur Faye. Tire sur Faye, pardon. Non, c'est pas Faye, c'est 0, pardon, excusez-moi. Loubaki, Prolak, Mipoka, il est tout seul. Il va pas hésiter, les gars. Il va pas hésiter, les gars. Jean-Michel, son bras, il est réglé, il n'y a pas de problème. Hein. Qui se fait huer encore. Archinard, bon là il a pas marché là. Ouais bah oui mais il a eu peur parce qu'il y avait Gogo Gadget au bras qui était là. Et il est encore là Gogo Gadget au bras. Faute sifflée à Frera. Oh, elle est dure cette faute. Il va la prendre sa technique. Elle est dure celle-là. Hein. Parce qu'il joue le rebond, il n'y a pas grand chose honnêtement. Elle est sévère. On la prend mais elle est sévère. Et la dernière poste, ce sera Sablet Max, plus 7 et ballon pour l'équipe du LSVB. Est-ce qu'on n'aurait pas le remake de Fred Loubaki à la mi-temps? Oh, regarde. Je demande à voir. Il a la balle, il va la garder. Il n'y aura pas d'écran. Pour Fred Loubaki dans sa tête, c'est NBA 2K, double joystick. regarde Max. Oui, et la même Max, on l'avait dit. Mais voilà, calme-toi. Et on en restera là pour ce troisième quart. 66-59 pour le LSVB. Qui n'arrive pas à creuser ce petit écart, mais qui est quand même à plus 7. Feur qui lâche pas. 10 minutes, tout est à jouer pour nous, Maxime. Oui. Allez, on se retrouve pour ce dernier quart ici à Beau Séjour. Plus 7 pour le LSVB. Tout est à jouer pour les deux équipes. Feur qui lâche pas. Et le LSVB qui a plus de... Oh ! Et Oustani qui répond avec ses 3 points, qui chambre le public qui l'a eu depuis environ 10 minutes. Ah, cette bonne guerre, cette bonne guerre. Michel qui va nous faire encore du gros Mendes. Non. Ah voilà, c'était. De manière lax, le beau rebond. Oh, comment il a réussi à pas attraper là. Voilà,
voilà, les arbitres qui ont loupé quelque chose. Ça arrive à tout le monde, ami. Allez, on trouve Manerlac. Ah ouais, qui va tout écraser. Il était un peu frustré. Fallait un peu lâcher les chevaux là. Fallait lâcher un peu, monter, laisser un peu la pression descendre. Et quatrième faute, numéro 25, Ferra. Remplacé tout de suite par le numéro 75, JJ. Le ballon sablé avec Frolac. Bien joué ça. Oh, il peut monter. Marcher. Allez, et marcher. Oh! Ah non, il y a offensive. Auto-offensive. Il y a offensive. Et Christopher Manerlac vient de prendre sa troisième faute. En fait, sur une faute offensive, pas un marché. Et qui va être remplacé par Quatarius Wilson. Allez, Oustani avec la balle. Faute sifflée à Thibaut Alexis qui a un peu arraché les bras du numéro 8 adverse. C'est Damien Archinard. Et ballon pour l'équipe de Feur, touche fond. Oustani avec la balle. Vous êtes bien financiers là-haut le coq. Discussion avec l'arbitre, de monsieur l'arbitre avec la table. Je ne sais pas ce qu'il se dit. Moi je m'endors là hein. Ouais. Va falloir que ça dort trop longtemps sinon on va se barrer. Ah, je pense qu'il y a une réclamation qui est posée par coach Denis Mettet. Je sais pas ce qui se passe, j'aimerais bien savoir. Mais qui est colère, à mon avis, il a porté réclamation. Ah, il y a dû avoir une faute technique, anti-sportive, j'en sais rien. Et Oustani qui convertit en tout cas son lancer franc à une faute technique, je pense. Je sais pas qui l'a fait. Hein. Allez, Oustani qui a la balle. Écran de JJ, Oustani, Archinard qui drive et la bonne défense des Sablais. Allez, plus 3 pour les Sables, toujours après ce temps mort. Temps mort un peu involontaire. 8 minutes à jouer dans ce match. Rob en percussion, tir compliqué et bien défendu. Et tir manqué. Allez, Oustani, Fred, B,
meilleur tir sévère. Celui qui prend encore un tir un peu compliqué, un peu rapide aussi sûrement. Nipoca qui est sur Loubaki. Nipoca qui va aller jouer. Ouais, un mismatch à jouer. Wilson qui drive. Là, c'est que des exploits personnels. Hein. Il n'y a pas trop de jeu d'équipe pour l'instant côté Sablé. Allez, Loubaki avec la balle. Thibaut Alexis. Loubaki. Ouais, on est à l'arrêt. On est très à l'arrêt. Je suis obligé de prendre des tirs. Casse-croûte. Stani avec la balle qui organise l'attaque de Feur. On trouve. Ouais, zéro, il est tout seul. C'est très bien joué. Hein. C'est parfait. Hein. Et Feur qui revient à moi. Du LSVV. Ils vont rien lâcher, Max. Allez, Wilson. Michel. Oh, très belle défense de Archinard. Rebond. Belle défense encore. Joué. Quatarius Wilson qui prend son tir, son propre rebond et qui remonte. Qui fait du bien là sur ce match encore. Allez, Oustani, zéro. On cherche JJ au poste bas. Qui va jouer Wilson, ça vient doubler. Oh, ça marche très bien. Archinard à 3 points, il est tout seul, Max. Oh, la gamelle. C'était mérité, hein. Pourtant, ils auraient pu le mettre. Hein. Kaouba qui drive, c'est bien joué. Oh, il s'en veut parce que là elle est dure cette faute aussi là hein. Ouais. Il met l'épaule quand même hein. Il met l'épaule hein. On a de la chance qu'il la prenne pas. Non là. Et donc deux lancers francs pour Rob Oukaouba. Qui rate le premier. Plus 4 Max pour le LSVB. Oh, et la bonne pression défensive des Sablés. Cadio qui est mal embarqué. Oustani. Cadio, il est tout seul dans l'axe. La mésentente des deux joueurs sablés. Oh. Junior 0 à... Oh, et le gros rebond de Kaouba avec les bras qui font 20 kilos chacun. J'impressionne toujours de voir les bras de Rob Oukaouba. Qu'est-ce que j'aimerais avoir fait. Bah t'as pareil toi Nino. Ouais bon. Dans mes rêves surtout. Oh bien joué. Super action de Fred Loubaki. Le petit appui décalé, le re-step. Pour permettre du coup au Sablé de prendre 6 points d'avance. De respirer un tout petit peu dans cette fin de match. Il reste encore 5 minutes, c'est très long. JJ. Et il peut tout faire JJ j'ai l'impression. Stani, il reste 5 secondes sur la possession. Il va se jouer Wilson, il est 2 mètres derrière la ligne. C'est raté, mais rebond de JJ. JJ il est costaud, hein. Il prend de la place, hein. Pas de soucis. Hein. Allez face à François Matip, ça va jouer. C'est raté pour JJ. Les Sablés qui temporisent avec Loubaki. Wilson.
Wilson. Ah, et la perte de balle. C'était bien joué. Allez, Smile Cadio. Oh, Faye, très bien attaqué de la part de Faye. 4 minutes 30 encore dans ce match. Ça va être chaud, Lenny, ça va être chaud. Ça va être très très chaud, mon match. Allez, Loubaki. Eh oui, les mains baladeuses de JJ, une fois de plus, il va mettre l'interception de Fer. Oustani. C'est propre en défense un Fer en ce moment là. Y'a rien qui passe hein. Zéro, on cherche JJ, il a un mismatch à l'intérieur sur Loubaki. Il va jouer, vous inquiétez pas. Il y va, les grandes mains. Oh, c'est raté. Oh là là, mec. Et là ça défend, par rapport à du match, ça défend beaucoup plus dur, beaucoup plus fort. Wilson il est tout seul. Il a raison, il calme le jeu. Je pense que c'est un bon choix. C'est pas nous de courir derrière le score, hein. C'est pas nous de jouer vite. Bien joué la petite relation. Allez, Loubaki. Ah il a ici. 5 D'accord. secondes, il le prend après. Oh c'est court, fallait le prendre. Voilà. Un gros creux des deux côtés hein, en attaque, il n'y a pas de panier. Mais Oustani. Oh, ouais, très bien joué. Ça ressort bien la balle à Faye, bravo. Et c'est zéro là en ce moment ce qui se passe. Wow. Y'a rien qui marche, c'est des côtés. On dirait l'air, 3 des sables. Ça envoie des cacahuètes, indique des cacahuètes. Allez, Louis Prolac pour déverrouiller le jeu. Et c'est là Louis Prolac. Waouh. Oh, il fait du bien, oui. 74-67 après s'y imprimer Louis Prolac. On se retrouve dans une minute. Allez, on se retrouve à Beau Séjour pour cette fin de match qui s'annonce chaud de max. 74-67 pour le LSVB. C'est 2 minutes 50. C'est le money time déjà. Et bonne défense des Sablés d'entrée. Annoncer un play pour faire dérouler le chrono. Grosse défense d'Arat hein, sur les Brolac qui met la pression, qui a le titillé un peu dans son dribble. Oh la passe pour Rosamati parfaite. Et la passe D, non même pas. C'est pas à nous de jouer les gars, prenez votre temps. C'est bien, bien. Louis. Intelligent. Louis qui appelle un écran, 8 secondes sur la possession. Wilson, Matip à 3 points, il est seul, Max. Oh la saucisse. Et rebond. Ça fait mal à faire ça malheureusement. Oh, oh ben les gars. Et Wilson Oh là là. Il a été le chercher celui-là. Le rebond, le coup d'épaule. Et la réaction en dit long. Plus 9 pour le LSVB. Et peut-être plus 10 avec le lancer bonus de Quatarius Wilson. Come on!
Max. Il reste 2 minutes, hein. C'est long 2 minutes, hein. Ça peut aller très vite. Parce que ça artille à faire, il n'y a pas de problème. Hein. Oulala, Ousmane qui a ça de perdre la balle. Il prend un step back contesté. De lui pour la pardon, vous l'avez pas vu, je n'ai pas la caméra, pardon, vous l'avez pas vu. Allez, Uka Uba, il va aller. Monte. Oh, waouh, waouh, waouh. Il a voulu le mettre sur la photo. Arras, le bon repli des Sablés. Cadio, Frera, Espinali qui attrape la faute de François Matip, de lancer franc. C'est de bonne humeur ce matin. C'est de Et Rob Uka Uba qui a voulu faire un meurtre, clairement. Oui. Un meurtre à beau séjour. Qui a voulu aspirer l'âme de quelqu'un. Et s'il le mettait, je peux dire que là, on était sur Pro Am Media, court cut, pendant environ 3 semaines. Alors qu'on demande la serpillière. Toujours plus fort. Espinali qui ne prend pas, qui convertit son premier lancé. Regarde ce qu'il fait. T'as pas vu? Non. Il était accroché à l'arceau. Il a pris la pause à l'arceau. Avec la balle. Prolac. Et la dernière minute. Plus 9 pour les Sables. Ça sent bon Lenny, mais c'est pas fini. Hein. Bon, on le redit. Uka Uba, il est tout seul. Il le prend, Max. Sorti. Oh, elle a touché le câble. Et temps mort. Demandé par Feur. Et oui, Max. Le goal à verrage va être important. Jusqu'au match retour, on n'est que sur les matchs allés de la poussée. Donc le coach de Feur qui prend un temps mort pour limiter la casse. 77-68, on se retrouve dans 50 secondes. Allez, on se retrouve pour cette dernière minute, Max. 77-68 pour le LSVB. Ballon pour Feur avec Arras. Spinali qui va dunker. Waouh. Il y a des cannes quand même là. Hein. Ouais. Il y a des cannes. Hein. Ouais, faut quand même être sérieux parce que. Hein, cette fois, c'est... Allez, Matip. Hola.
Et Cron Wilson, bien joué. Mipoca. Et la faute. Sifflé à Cadio. Mort demandé par Denis Mettet pour mettre une touche en place. On se retrouve dans une minute. Et on se retrouve pour les 30 dernières secondes avec un ballon sablé Prolike. Et comme vous l'entendez, je l'espère, le cop qui est chaud, bouillant. Wilson, tête de raquette. C'est raté. Et ballon rendu. Je suis un message de la régie. Non, un message de mon père en vrai. Wilson, il a 32 balles. Rien que ça, 32 balles. Cadio, il le prend, mais il a pas envie de jouer. Et la faute sifflée à Prolak qui va de lancer à Ferra. C'est pas une bonne faute ça. Bon Max, ça devrait être une victoire pour les Sablais. 77-70, deux lancers francs pour Ferra. Et Ferra qui rate son premier lancer. Deuxième qui a raté, temps mort demandé par Denis Mettet, qui va jouer jusqu'au bout. Tous les points seront importants. Allez, on se retrouve dans une minute. Allez, on se retrouve pour cette dernière seconde de ce match. À Beau Séjour, Denis Mettet qui a dessiné un play pour essayer de marquer un panier pour le potentiel goal average du match retour. Nous allons voir ce qui va se passer. On espère un petit tir de Louis Prolak. Et non. C'est dommage parce que c'était dedans. Et panier qui sera refusé, mais une victoire sablaise Max, 77-71 contre Feur. Le LSVB est à 3 victoires, 0 défaite dans cette poule C.
c'est plutôt une bonne chose. Il faut aller chercher encore quelques matchs à l'extérieur et rester invaincu à domicile pour être maintenu, en tout cas sportivement, en NMA, ce qui serait un grand exploit de la part de l'équipe et du staff de Denis Mettet. En tout cas, on l'espère. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci mon Maxime de m'avoir accompagné. Merci à toi Lenny, merci à tous d'avoir regardé le live avec nous. J'espère que vous avez tous apprécié le match autant que nous. Très beau match de fer, très beaucoup de fair play de toutes les deux équipes. Un beau match à regarder, un beau match à commenter. Merci à tous et j'espère à très bientôt. On se retrouve pour le prochain match à domicile. Contre qui? Contre l'INSEP, il me semble bien. Oui, ah bon, contre l'INSEP, et après on recevra Besançon. Ok. On verra. En tout cas, nous on sera là. Et on vous souhaite une bonne soirée. Pour ceux qui sont sablés, on se retrouve sur le port. À bientôt. Ciao, ciao.